Comment là tu trouves ça? Hein? Non, c'est pas ton milieu. C'est pas son milieu. Or, nous, ça nous intéresse. Qu'on sent que les gens prient, ça nous attire. C'est ça. La Bible dit. Non, je crois que tu touches ça. C'est vrai, ça. Je ne veux pas que tu touches dans quelle communauté elle est ou pas. C'est un peu ce que ça va déranger les gens. C'est elle, son témoignage, les sons après l'église. Elle dit qu'elle va, c'est son effet. Elle dit elle est absente. C'est ce qu'on doit retenir. Elle est absente. Qu'elle s'en va là-bas, elle est très absente. C'est ça? Vous ne vous sentez pas dedans. Tu as poussière, tu reviendras la poussière. Ouais, ça, elle n'est pas attirée par les choses de Dieu. Son esprit n'est pas là-bas. Or, nous, ça nous intéresse. La prière nous intéresse. Les choses de Dieu nous intéressent. Ça n'intéresse pas. Parce qu'elle a en elle un esprit démoniaque. C'est un démon qui l'habite. Et si on va prier pour vous, c'est tout le monde. Monsieur, la folle est laissée aujourd'hui. Hein? Non seulement ça, t'as mangé les enfants. Tu aimes quelle sauce là-bas? Aubergine. Elle pour tout. Aubergine. Elle dit quoi? Hein? Je peux amener ça. Je peux laisser. Je laisse la soutenue. Vous avez? Comment? La soutenue? Non, non. Ok. Venez. Tout ce qu'il avait fait dans sa vie, on s'est dit non, vous laissez tout ça. Tout ce qu'il avait, tu sais pas ce qu'il avait. Tout la haine, on m'a dit que j'ai fait. Tout ce qu'il a fait, j'ai mis sur lui. Dieu, aujourd'hui, ça fait mon femme. Libère mon mari. Qu'est-ce qu'il dit? Les enfants. Les enfants. Mm-hmm. Que je les ai gâtés. Mm-hmm. Que je les ai vendus. Mm-hmm. Tout ça là, il doit revenir. La sorcellerie doit détruire la famille. Pour que tout avoir la paix. La sorcellerie doit détruire, doit quitter en leur main. Les enfants doivent libérer tout ce qu'elles cherchent. Mari, enfant, tout. Dieu n'a qu'à nous accorder. Tout ce qui tout ce que j'ai fait, Dieu n'a qu'à nous accorder. Libérer tous mes enfants. Tous mes enfants. Le mal que j'ai fait, il n'y a qu'à nous accorder. Même faire ceci, parce que nous proclamons la délivrance de ton âme, de ta vie, de celle de tes enfants, de toute ta maison. Nous proclamons ce jour la délivrance par la puissance que dans le nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait sur toi est détruit, que tout ce qui a été fait sur la vie de tes enfants est détruit, nous proclamons totalement ta délivrance au nom de Jésus qui a béni ta vie. Amen. Amen. Allez vous asseoir. On met sur la liste des gens qu'on a délivrés. Quels sont ceux qui veulent parler? On sait qu'il va partir là. Allez vous asseoir. Vous avez à pomper. Allez-y. Je m'appelle Kouassi Amani Jaïs. Est-ce que vous pouvez entendre quoi? Je m'appelle Kouassi Amani Jeannette. Kouassi Amani Jeannette, oui. Je suis sorcière. C'est ma grand-mère qui m'a initiée, la maman de maman. C'est elle qui m'a initiée. Un jour, j'étais encore petite, maman m'envoie au village, j'allais rester là-bas avec elle. Maintenant, on est arrivé au village, il y a eu la fée. Maintenant, elle dit elle va aller chercher mon dieu dans un autre village, à Tabakala. Maintenant, elle m'a laissé auprès de sa maman. Maintenant, tout ma maman et puis... Tabakala, c'est où ça? C'est pour non? Non, c'est pour ça. Tabakala, c'est après Kachola ou bien? Oui, après Kachola. Après Kachola? Oui. Toi, t'es du Boitou ou bien? Non, mon père est Tabakala. Et puis, ma maman... Et ta maman, c'est Tabakala? Oui. Donc, elle m'a laissé auprès de ma maman. Maintenant, ma maman et puis avec mon papa, il a toujours du tout. Ma maman et puis avec sa maman, il y a toujours du discours entre les deux. Tout m'en veut pain, tout m'en veut pain. Maintenant, un jour, elle a donné pain. Quand elle a donné pain, et le pain qu'elle a donné là, c'est dans ça qu'elle a commencé à livrer et tout. Elle a commencé à nous donner. C'est
c'est pas maman qui nous a guidés, mais c'est ma grand-mère. Comment vous avez la sorcellerie? C'est votre grand-mère? C'est ma grand-mère qui m'a guidée. Qu'est-ce que vous avez fait comme dégâts? J'ai tué. Mm-hmm. Propre, j'ai tué mec. Premier. Les gens que tu as tué. J'ai tué plusieurs fois. J'ai tué mon neveu. Il était encore bébé. Il ne marchait pas, mais il était encore bébé. Il sortait de lui, il l'a tué. Deuxième encore. Comment vous avez fait pour le tuer? Je suis partie dans le campement où il se trouve là. Ils sont à Yéré dans un campement là-bas. Puis je suis partie le chercher pour aller le prendre là-bas. Puis je suis venue le faire partir. On a mangé partir là. Très bien. Ça fait le partir là. Comment tu fais partir? Partir là. Quand on finit de découper, on découpe en plusieurs morceaux, petit. Après, on fait bouillir ça. Non, ça fait comme baka. Et puis on commence à mettre le pot là. Et puis on cherche. C'est arrivé bien sec et puis on commence à manger dans le temps. Tout en temps. Maintenant, dans ça, j'ai livré mon grand frère, les jumeaux que je suis. Maintenant, mon grand frère, lui, il fréquente. La mère qui est livré, il partait à l'école à 5 heures. Donc, je l'appelais par derrière. Je l'appelais trois fois. Rien d'autre. Il a répondu. Puis, j'ai pris son âme, puis, je l'ai protégé. Il a donné une maladie et tout. Ménésie. On l'a soigné. Au dernier moment, on est obligé de le tuer. C'est moi même que je l'ai tué. Quand il a fini de manger le tronc, on l'a préparé, on s'est servi. Mais quand on s'est servi, maintenant je regarde pour l'autre l'aime beaucoup que pour moi. Il dit, non, il faut ajouter là-dessus. La patronne aussi regarde, hé, tout seul aussi beaucoup, il faut ajouter ça pour moi. En étant fait. Dans ça, je devais livrer ma petite soeur. Ma petite soeur Grâce, elle a dit bien là-bas. Je l'ai mis de côté, maman a pris une deuxième grossesse encore. Là, c'est un garçon. Là, je me suis transformé en oiseau qui prend les poussées. Je suis partie, j'ai pris l'enfant de force, puis la poussée, on a bouffé. Et là, après encore, il a attaqué le grand frère de mon papa, le deuxième. Lui, il s'appelle Enes. Lui, je l'ai attaqué encore. Lui, je l'ai donné une maladie, et tu l'as eu, et tu en boîte. Une maladie en gile ici. En gile. Je l'ai donné ça. On a tué, on a fait deux. Après encore, il y a une de mes tantes, c'est la tante de mon papa. Je l'ai pris encore. Elle, avant de la tuer, je l'ai lancé la production. Elle boit beaucoup. Elle boit beaucoup même, bien beaucoup. Après dans ça, encore, je l'ai tué. On fait mouton à manger. Dans ça encore, j'ai pris et tu. On a demandé encore à mon grand-père, côté maternel là-bas. Côté maternel, il y a sa femme. On ne veut pas le même village. Il dit, il faut donner ton fils. Elle dit, non, tu as quatre. Il faut donner le premier là. Elle dit, si tu te prends, il y a deux là-bas. Dans ça, elle a dit, prends l'enfant. Et on a tué, honoré. On a tué. Quand on l'a tué net, lui aussi, il est venu chercher sa maman. Deux semaines après. Sa mère est décédée. Ça aussi, on a compris. Maintenant, en 2014 encore, là, c'est mon oncle qui travaillait dans Solibra, à Trècheville là-bas. Parce qu'on travaille à 6h du matin. Lui, là, bien. Il faudrait qu'il tape ça. Donc, dans ça, là, dès qu'il est monté dans sa voiture, la voiture a passé, il y a du embouteillage. On a fait un coup comme ça, quand la voiture est tombée et puis elle est sortie. C'est elle-même, la propre voiture, la même qui est tombée sur lui. La tête est cassée. On a commencé à sauter. Wow. On a eu bien. Bien gros, on a eu. Et on a mangé. Ce jour-là, il a pris la tête, et puis il a pris le père. Ça n'a pas passé. Maintenant, dans ça, quand il est mort, en voit ça, avant ça, j'ai fait un son sur moi-même. J'étais déjà pour la vie. Et madame, tout vrai, arrêtez votre conduite. Quels sont les gens que vous avez tués depuis? Arrêtez votre histoire, j'étais déjà pour la vie. J'ai tué 50 personnes. Okay. J'ai tué, vous avez détruit toute la vie de qui? La vie de ma petite soeur Grâce, elle, je l'ai attachée. Elle est où? Elle est la vie de ma petite. Maintenant, mon neveu, lui aussi, on a déjà 24. Lui aussi va venir. Il est déjà mort. Oui, il va venir. Ma grosse arrivée. Tu l'as déjà tué. On l'a déjà tué. Il est déjà mort. Il est déjà parti. J'ai mangé tout à mon bras. Il est déjà
pendant d'un sang quoi, j'ai mis viande dans la cuisine de ma grande soeur. Pour initier l'enfant quoi. Comme ça, maintenant, j'ai gâté la vie de ma grande soeur, le bac. Elle doit passer le bac B. Tous les jours qu'elle passe le bac B, elle passe. Si on doit prendre 200 points, j'en ai un point de bac. J'en ai un point. Elle a passé le bac au 4 fois ou à 5 fois. J'en ai eu un point. Maintenant, elle peut pas accoucher. Même gâte on sent. Comment dire que elle peut pas accoucher. Elle fait ses j'avais pas accouché, j'ai bloqué ça. Elle est où? Elle l'a vu. Maintenant, dans ça, pour ma petite soeur qui a beaucoup de temps, il y a 1000 parents. Vous avez fait pas. Vous avez fait pas. Arrête-vous faites dans la maison. Oui, il n'y a pas là. Les saucisses sont bien. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Maintenant, ça va. Les gâteaux aussi sont commerce. Commerce de ma grande soeur, les gâteaux sont. Je l'ai dit, il ne faut pas aller chez son mari. Il y a un peu de temps chez son mari. Il y a 100 ans, il y a des vêtements. Il y a des parties de la grande soeur qui dit, je suis bien propre. Commerce les gâteaux. Donc je dis, là, crédit. Si je vois la compte, laisse les gens ici, moi c'est chicoté. Comme c'est chicoté, là, au bout d'une professeur, c'est chicoté. Après, tu attends. La vie de la grande soeur de ma maman, elle aussi. Ta tante. J'ai gâté son commerce. À ce moment, quand elle finit de compter, moi, j'ai retiré pour moi dedans. Donc, aujourd'hui, elle est tombée, elle fait plus commerce. Elle a su accueillir quoi là-bas. Maintenant sa fille, Élisée, la deuxième fille Élisée, je l'ai livrée au garçon. Elle a porté un petit peu. Maintenant, il y a une prison sur elle. Elle a fait la prison en 2010. Elle a fait la prison. Maintenant, c'est mon nom qui allait, mon nom qui est policier. C'est lui qui allait négocier. Puis elle est sortie. Donc, il y a passé à faire. Maintenant, j'ai un de mon nom, le fils de mon grand-père. Et c'est ton Pierre. Lui aussi, j'ai mis le vol sur lui aussi. Comment tu arrives à mettre la prostitution? Comment tu arrives à mettre le vol? Comment tu t'arranges? Comment? La manière dont je parle, c'est quand j'appelle ton nom quand tu sors. Il dit non, toi tu seras prostitué. Vous voyez la puissance de la parole? Toi tu seras pris et tu t'étiquettes avec. Sur le plan spirituel, tu as une autre identité. On t'appelle Yahoo aussi, mais là on t'appelle voleur. Or c'est le spirituel qui fait le visible. Maintenant, mon nom qui est là, donc il a mis le vol sur lui aussi. Il allait détourner l'argent, 32 millions. Détourner 22 millions. Lui, c'est un grand voleur. 11 millions. Il a fait la prison au moins la trois fois. Quand il est sorti, il a mis tout là. Ça a pensé l'argent. Maintenant, il y a la petite soeur de mon père. Ça a pensé l'argent. Il a fait. Il a fait vagabondage, quoi. Maintenant, là. La petite soeur de ma maman, elle, je ne l'ai plus revue parce que j'ai livré sa vie. Elle n'a qu'à quitter même dans la famille. Elle n'a qu'à quitter la vie. On dit la vie, moi, c'est pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. C'est la petite soeur. Après elle, après maman, c'est elle qui suit. Vous ne voulez pas que vous voulez pas que nous autres, nous commençons les sorciers. Faut tout le dire. Dieu nous a fait la grâce au moins de les inquiéter un peu. Maintenant, moi-même, j'ai donné aussi ma chèque, le moulin là. Puis j'ai donné les deux. Maintenant, mon neveu qui arrive là aussi, là j'ai mis un peu aussi. Le moulin là, c'est pour quoi? C'est pour manger sur le. Quand on a faim là-bas, là, puis on revient, puis on attaque, on mange. Donc, on refuse. Puis la maison, quand on vient, on voit qu'on ne peut pas neveu là, quand tu cries dans ton sommeil là-bas, là, puis on laisse tout le monde. Ok, on attend ta famille. On va t'asseoir. Ici, on ne fait pas la promotion de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on nous démystifie la sorcellerie. Nous ne rendons pas ça intéressant. Pour dire, ici, c'est qu'on avait le dévoilement et la destruction. Nous dévoilons les œufs. Au travers des aveux, les sorciers, quand ils font des aveux, ça les libère personnellement. Les aveux publics permettre aux sorciers de ne plus jamais repartir
dans leur confrérie. Parce qu'ils font publiquement les aveux, c'est fini. Ils ne peuvent plus intégrer leur confrérie. Parce que c'est des pactes. Voilà, c'est des pactes qui existent avec le royaume de la sorcellerie. Une fois qu'ils sont dedans, c'est des, ils ont une société qui se regarde, qui garde les secrets. Ils ont une société secrète, ils ne peuvent plus partager les secrets. Or, quand ils viennent faire des aveux publics, ça neutralise leur pouvoir. Et en même temps, ça instruit chacun d'entre nous de comprendre d'où vient son problème. Sans raison. Vous avez entendu tout le monde parler, il n'y a pas de raison. Même s'ils pensent qu'il y a une explication, non, il n'y a pas de raison. Parce que même la perte en vie humaine, il vient détruire les gens. Et ça, c'est un peu l'œuvre de la sorcellerie. Comment on détruit les familles. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans mon introduction, que notre propre problème, c'est nous les Africains. C'est la sorcellerie. Quand vous voyez les blocages, quand vous voyez des choses, ne cherchez pas ailleurs. Amen. C'est pour ça que David est clair là-dessus, il dit avec Dieu nous ferons des espoirs. Avec Dieu nous ferons des espoirs. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'il faudrait que chacun d'entre nous expérimente Dieu. Nous devons tous expérimenter. Toi, tu n'as pas un problème, tu parles difficile. C'est comme on essaie de faire tout à l'heure. On va programmer tout cela à la délivrance. Oui. Quand tes enfants les ont tout à l'heure, ils sont en route. Il y a deux garçons là. Ok, il n'y a pas de problème. Quand ils vont venir, on va essayer de faire le truc. Voilà. Donc tout à l'heure, on va procéder à la délivrance. Quels sont ceux qui ont des enfants ici? Vous avez un enfant? Oui, un enfant ici. Elle, c'est qui? Ok, la maman, comment elle trouve ça? Là, comment elle voit le sujet? Comment elle voit le sujet? Elle est dépassée. Elle est dépassée. Elle est dépassée. Okay. Et vraiment très heureuse. Okay. Que ce soit découvert. Voilà. Elle est aussi en même temps malade. Ok, on voit le canot qui est plagié. T'as compris? Merci. Bien. C'est elle appelle la prison. C'est ça, non? Pour la sorcellerie. Je m'appelle Didier Ledo Alta. Je suis la sorcière. Je suis sorcière, oui, je suis la sorcière. Je suis sorcière. Ma tante côté paternelle, c'est ma grand-mère. Elle a préparé, maintenant elle m'a fait des mouvements. Je suis partie manger avec elle. Elle a gâté une tête et mangé. Maintenant, je suis partie me coucher, la mère est venue me chercher. On est parti. Elle m'a servi à manger. Ils sont en train de faire une étude. Comment ils font pour se faire double? Elle m'a servi. Comment ils font puis ils sont là, puis ils rentrent dans le corps des gens. Ils sont en train d'écrire un livre. Elle m'a déjà posé avec elle tout à l'heure. Elle m'a servi, on a mangé. Et puis elle m'a donné le sang de l'homme. Et puis elle dit, elle voulait dire, j'ai donné pour moi, pour envoyer pour quelqu'un. C'est vrai? J'ai donné ma petite soeur. Ma petite soeur, elle est dormée. Elle est donnée, puis je suis rentrée dans la chambre. Comment tu arrives à rentrer dans les chambres des gens? Quand les gens dorment? Je me suis transformée à une fille. Et puis je suis rentrée dans la chambre. Puis je me suis changée à homme. Et puis il a appelé son homme. Quand c'est sorti, elle a continué d'appeler son homme. Donc tu fais sortir âme pour tuer. Après ça. Tu as tué combien? Moi, j'ai tué tout comme ça. Vas-y. Quand on a mangé, après ça, elle aussi, elle a tué pour elle. Elle a tué son enfant, elle a tué son mari. Maintenant, on a mangé son mari. Elle dit, pas envoyer pour toi. Moi aussi, envoyer ma la femme de mon oncle. Elle dormait. Maintenant, elle s'est rentrée dans la chambre. Elle me dit, quand tu parles, il faut plus. Elle est rentrée dans la chambre. Elle a appelé son oncle. Quand c'est sorti, elle a pris son âme là. Et me suis changé homme. Et puis, elle s'est rentrée dans la chambre. Elle a appelé son âme. Son âme l'a trois fois la petite sorte. Il a tapé à Kabibou, il a bougé, il a mangé. On a mangé. Il y a combien là-bas, dans mon groupe? On est 9. 9 personnes. Mm-hmm. Ils mangent ensemble, tu es. Mm-hmm. Allons-y.
Maintenant qu'on a tué la femme de mon oncle là, elle a tué sa fille. Sa fille à sa tête. Elle appelle Edivie, elle a tué sa fille. Maintenant qu'elle a tué sa fille là, elle dit. C'est pour vous dire sorcellerie là. Vous pouvez avoir une vieille nia pour dire non, tu as peur. Et les gens pensent que c'est les vieilles qui a quand tu vas marcher sur les sauces. Les enfants sont les dangereux. Vous avez les vieilles personnes ont peur. Parce que les vieux. Non. La vieille, ce n'est pas sinon des sorcellerie. Hein. Les enfants sont les plus dangereux. Eux, ils voient les sorcellerie comme un jouet. Le jeu. Elle dit faut envoyer pour toi. Elle a pris sa fille là. Elle dit faut envoyer pour toi. Tout le monde aussi envoie ma fille encore. T'as quel âge? J'ai 19 ans. J'ai envoyé ma fille. Ma fille, elle, il a lâché dans Paris. Hein? Je l'ai lâché dans la maladie, c'est Paris. Elle était dans la chambre. C'est toi qui es mariée là-bas. Tu dis que tu veux voir l'amour avec lui? Je veux l'amour avec lui. Avec qui? Avec mon papa. Ouais. Et puis, il y avait trois enfants avec lui. Où ça, ils sont les enfants là-bas? Ils sont là-bas. Où? Dans nous. Hein? Dans nos camps là-bas. Dans le camp là, c'est où? Tu as fait enfant là-bas? Tu les nourris comment? Quand on tue là, tout le monde est en train de les faire. Hein? Il y a sept, quand on tue là, il y a sept. Et puis il mange. Mais si tu ne vas pas là-bas, ils vont manger quoi? Ma tante est là. T'as pas l'air à manger. Tu vas les confier à ta tante. Donc tu aimes les enfants, tu les aimes. Hein? Comment tu as fait pour avoir un enfant? Non, tu vois, petit d'un, tu as trois enfants. Le premier s'appelle quoi? Le premier s'appelle Prince. Le deuxième, quand tu donnes un enfant, tu fais quoi? Quand tu fais un enfant, tu donnes un nom. Deuxième? Il s'appelle Fabrice. Et troisième? Elle s'appelle Fabula. Quand c'est comme ça, si tu réussis là, tu ne fais plus d'enfants. C'est une vie. C'est notre vie qui vit là-bas. Et ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Vous allez voir, ils sont dans une pauvreté sans nom, ils sont pauvres, malheureux, misérables. Ils s'en fichent. Ils vivent notre vie, ils s'en fichent de cette vie-ci. C'est notre vie. Donc, tu as marié à ton papa. Comment on fait alors? Comment tu dis ton papa? Et puis il est ton mari. Dis quand il y a un enfant qui est sorti dedans. En tout cas, trois. Tu prépares pour lui. Quand tu as couché son mari, lui, tu as ton enfant. Tu fais comment? Je souhaite à un village. Il fait ça trois fois. Et puis il a sa soeur qui me touche. Non, ça dit que tu deviens grand. Et puis on a gâté ses reins, c'est si comme moi. Hein? On a gâté ses reins, c'est si comme moi. Vous mangez aussi les reins de votre papa? Oui. Comment? Ça veut dire, quand on prépare, et puis on a fini de prépare, on touche un mari, et puis on met des secours. Sur les reins? Oui. Et puis on... Comme ça? Ça devient tard. Oui. Vous mangez ici. Oui. Vous allez foutre, vous allez sortir. C'est bon. Et puis j'ai gâté ma maman. J'ai mis ma vie dans elle. Là-bas, il n'y a pas de table. Moi, je suis le dos de pouvoir manger. Oh, ouais, les gens sont tordus. C'est mamie chaude. Allons-y. Ça fait quoi? Mon papa. Il a mis maladie, il a mis salut, il a fait salut dans son corps. Et puis il a lancé une boue dans ma main. Elle est malade? Oui. Elle a quoi? Et puis il a mis maladie. Oui, elle vous dit qu'elle est petite. Elle fait pitié. C'est qui va te montrer. C'est pas les vieilles personnes, hein? Les enfants ont ça grave. Et là, même ta sorcellerie, ça dépasse les vieilles personnes. Ça dépasse.
Et quand elle même fait enfant, nos vieilles qui ont bailé, elle n'a jamais fait enfant là-bas. Elle a fait enfant là-bas. Tu laisses ça à manger tes enfants. Tu as tout compris. Et puis il y a un petit truc. C'est comme. C'est moi, non, quand tu as mis la dentelle de maman. C'est une maladie, c'est ça. Tu as mis ça dans la tête, maman. Il n'y a pas de malade. Tu as tout compris. Et tu es gâté. Marat de mes frères, qui est gâté le passé. Mariage. Et puis, et puis l'agent de mon papa, Karine. On se tient debout. Nous allons ensemble. Ils vont s'occuper de vous tout à l'heure. Après, venez tous les enfants. Écoutez-les, commencez déjà à faire la délivrance des enfants. Les grandes personnes. On fera la délivrance à Zaroko. On fera la délivrance à Zaroko. Dès que la délivrance va être prêtée serment, on va boucler ça tous. Mais je veux que tout le monde soit libéré aujourd'hui. Tout faire ça, tout le monde. On se tient debout. Nous allons s'en prier. Tu vas demander au Seigneur de te délivrer. Ouvre la bouche, je parle au nom du Seigneur. Thank you.